He entered the car and closed the door. When I saw him, Jesus, sauve-moi. I said, Jesus, you have to save me because I saved my life, my death in life. Je commence à courir. Un esprit me dit cache-toi. Et je me suis caché. Est-ce qu'on parle avec Jésus? Est-ce que moi je suis? Je suis qui? Who am I? Who am I? Elle dit cette personne allait me tuer. Those persons were going to kill me. Mais ma tête là c'est pour Jésus. But my hand is for Jesus. Voilà pourquoi ce matin je suis ici. That's why this morning I'm here to say thank you to God. C'est pour cela ce matin. I want to say thank you to all of you. Thank you for praying for us. Oui, effectivement, le dimanche passé. Last Saturday. Dimanche passé, nous sommes restés jusqu'à 1 heure. We stayed here till 1 a.m. Devant des gens et les gens. En allant, je l'ai trouvé devant sous le ciel. When going. I found her, the water station. Parce que maintenant là, il y a des problèmes de terre, tout ça. Là. Because we have some bad people. J'ai dit retour. You have to go back in the same 6 heures. And then 6 a.m. 5 heures du temps. Tu vas regarder chez toi, retourne. Go back. Pas prudent. Because this is not a careful situation. Une fois, un de mes batteurs, ils ont l'appel à l'agresser ici. One day, ici les gens agressent. One of us. Tu es femme, retourne. Please. I wanted to go. La dernière fois, elle est venue me rendre le témoignage. Last time, she came and gave me the testimony. Il a agressé, gloire à Dieu, mais ça vous dit d'être prudent. I want you to be careful. Les gens coupent les têtes, c'est ce qui est vrai. We have some people who used to come and hurt people. Ceux qu'on a la rue, et surtout qu'à 1 heure du matin. At 1 a.m. Si vous êtes là que juste une heure de soir, combien restez dormi? Till 10 p.m. Si on ne vous chasse pas. You can stay here. Si nous allons prendre jusqu'à 2 heures, 1 heure du matin, restez. Even 2 a.m. 1 a.m. Voilà, nous bénissons le nom de Jésus. You can stay here. Bless the name of Jesus. And then the glory becomes for Jesus. Alléluia. Amen. Je suis là pour glorifier le nom du Seigneur. I'm here to glorify the name of Jesus. Je veux bénir le Seigneur parce que quand je venais. I'd like to bless the name of Jesus because. Je marchais pas. J'avais pas. When I was coming here, I didn't work. Dieu a permis à prier. And the man of God prayed for me. Et mardi, quand j'ai commencé à marcher, and when I started working last Tuesday, allait attaquer mon père. The devil went to attack my father. Mon père était dans le coma. And he was about to die. Il voulait arrêter, il voulait précipiter mon départ. So now I can go there. L'homme de Dieu m'a dit. The prophet told me, stay here. J'ai dit, mais mon papa est dans le coma. Est-ce que j'ai mon père? Dieu, mais je bénis le Seigneur. Parce que I bless the name of Jesus. Mon père est sorti du coma. And then, alléluia. Donc, je vous prie de vous soutenir dans ce moment-là parce que. I want you to support us in this situation. Il ne parle pas encore. Mais quand le Seigneur commence. He's no more speaking, my father. Amen. But I think that when Jesus starts to pray. Elle est venue de la France, c'est ça? Il can achieve. Voilà. Elle m'a parlé, elle dit, ah, tu es venu pour quelque chose. T'es obligé. T'es obligé d'attendre jusqu'à la fin parce que Dieu contrôle. You just came for something, so you have to stay. Nous remercions le Seigneur pour ces témoignages. We say thank you to the Lord for these testimonies. Ça nous a vraiment édifié. This was really interesting. Ça démontre la bonté de Dieu. That is the kindness of God. Et la puissance de notre Dieu. And the power of our God. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Can we pray for Jesus? Can we clap our hands for Jesus? Alléluia. Amen.
Nous allons prendre nos Bibles. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Please take your Bibles. Alléluia. Nous prenons acte des apôtres. Apostles, react. Le passage de chapitre 2, chapter 2, le verset 14, verse 14. Allons-y. Acte chapitre 2, chapter 2, verse 14. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nous disons Amen. Alléluia. Quels sont ceux qui ont les Bibles? Levez les mains, montrez-moi vos Bibles. J'insiste beaucoup là-dessus. Tous les dimanches, pendant que vous venez au culte, ayez vos Bibles. Amen. Parce que les cultes sont faits pour enseigner la parole de Dieu. C'est vrai que les vendredis, ce sont les moments de délivrance. Every Fridays, we have deliverance. Nos cultes sont faits pour enseigner. Programs. But our services are for teaching. Nous avons besoin. And then we need. Que chaque personne ait une parole de Dieu. That all of us needs the word of God. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. May God bless you. Nous parlons de il faudrait avoir la puissance de Dieu pour être. We are speaking about the power of God to have to be witness of Jesus. La dernière fois, last time, nous avons parlé de deux éléments. We spoke about two elements. Avoir le Saint-Esprit, having the Holy Spirit, et être rempli du Saint-Esprit, and be filled with the Holy Spirit. C'est deux choses différentes. Two different things. On dit amen. We say amen. Avoir le Saint-Esprit, having the Holy Spirit, et être rempli du Saint-Esprit, and be filled with the Holy Spirit. C'est deux choses différentes. Two different things. Alléluia. On a le Saint-Esprit. We have the Holy Spirit lors de la conversion. When we have conversion. When we are in conversion. C'est-à-dire le jour où on accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. The day we accept Jesus as the Savior. Je t'accepte Seigneur comme sauveur et Seigneur. I accept you, Lord, as Savior. Saint-Esprit entre dans notre cœur. The Holy Spirit enters your heart. Et celui qui nous convainc. And he is the one who convinces us. Dans cette conviction. And this conviction. Que tu as été pardonné. That you are forbidden. Forgiven. Cette conviction. And that conviction. Que tu es enfant de Dieu. That you are a child. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Because the Holy Spirit is the witness. Et nous sommes enfants de Dieu. And then we become. Alors c'est le Saint-Esprit. That this is the Holy Spirit. Qui donne cette force. That gives you the strength. De pouvoir résister au péché. To resist the sins. Tu avais l'habitude de faire des choses. You were used to do things. Chercher femme des gens. Chasing people's. Tu avais l'habitude de voler. And then stealing. Quand tu es converti, when you are converted, face à ce péché, facing the sin, j'ai un remords. Je te dis non. Il y a quelque chose en toi qui dit non. You can refuse. Ne fais plus. And reject. Ça veut dire your actions. Que tu as le Saint-Esprit. That means you have the Holy Spirit. Amen.
Amen. Au départ, tu t'es habitué de voler. At the beginning, you are used to steal. Il y a les gens, la spécialité de chercher femme des gens. Some people here, the spirituality is de to look for people's wives. Femme préoccupée, si tu cherches. Please. Il y a des gens, mais eux, c'est femme enceinte. Some people used to, look for pregnant women. C'est femme qui enceinte, elle veut chercher. They have very bad prices. Ça, c'est de la sorcellerie. This is witchcraft. Comment quelqu'un met un enfant dans un ventre? How can you see a pregnant woman? Et c'est ça que tu cherches. And that you are looking for that woman. Ça te pousse à faire des choses pas possibles. Et toi, tu es convaincu que ce que tu fais, c'est pas bien. And you are convinced that what you are doing is not good. Tu prends plaisir à cette chose. But you are happy when doing it. Et ça te dit rien. And this, ça veut dire, tu es animé par un esprit impur. That is the way that tu es animé par un esprit. You don't have a good. Et le jour où tu acceptes Jésus, and the day you accept Jesus, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, la puissance de Dieu, the power of God, déloge les démons. This Lord, on dit Amen. We say Amen. Il déloge les démons. This Lord with devil, et désormais, and next, tu es le temple du Saint-Esprit. And you are the temple of the Holy Spirit. Et la Bible dit que tu es maintenant le temple. And the Bible says, you are the house of the Holy Spirit. Don't be sad with the Holy Spirit. When the Holy Spirit is in you, when there is a sin, let me give you the definition of sin. The sin is disobedience of God. It is disobedience of God. On dit là, il y a péché. Amen. Amen. Alors quand tu as le Saint-Esprit en toi, when you have the Holy Spirit in you, il te donne la capacité, this can give you the capacity to resist to the devil. Parce que la Bible nous dit de résister. Because the Bible says we have to resist. Oh, tu es chair. Because et la chair you are the flesh. Donc le Saint-Esprit the flesh is weak. Il te donne cette force. And God must give you that strength so that you can resist le the devil. The devil speaks. Two words. And one says, do it. And the other one, don't do it. And I used to say that, who doesn't know that looking for people who are bad? Who does not know that stealing is bad? But when doing it, you are on the influence of the Spirit. Amen. Je suis l'influence du Saint-Esprit. You are on the influence of the Spirit. Oh, l'Esprit de Dieu va pas t'influencer. But the Spirit of God cannot influence you. But it comes to help you. On peut l'assister puis te fuir. Oh, l'Esprit, il te possède le mauvais esprit. Il te plie. The bad spirit obliges you to fait des bien choses. To do bad things. Oh, le Saint-Esprit va te parler. And the Holy Spirit is going to speak to you. Ne fais pas. Don't do it. Ne fais pas. Don't do it. Donc tu as le libre arbitre de faire et you de are faster. Mais tu vas voir you have the power to do it or not. Dans ton esprit. And then when you hear this word in your spirit, if it that is not good, c'est vrai. And you say que lui, il est habité yes. Par le Saint-Esprit. Okay, amen. Amen. Ça veut dire que tu as this man lives with the Holy Spirit. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Do you have? Ça veut dire que tu as le. That means that you have the Holy Spirit. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Do you have? Alors le Saint-Esprit nous aide la vie lui même dans notre faiblesse. The Holy Spirit helps us even in our weakness. Dans la marche chrétienne. In our Christian way. Vie qui plaît à Dieu. To have a good life. Parce qu'on appelle le Saint-Esprit. Because we say Holy Spirit. C'est un esprit. It is a spirit that oh, is celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. But if you don't have, n'appartient pas à Dieu. The Spirit of God. Parce que c'est le Saint-Esprit. You don't have power of God. Qui rend témoignage à notre esprit. Because the Holy Spirit is the testimony that we are God's kids. Il y a quelque chose qui te dit que tu es your witnesses. Ça c'est le Saint-Esprit. Amen. The Holy Spirit says that you are God's child. So ça dit à quelqu'un qui te faut le Saint-Esprit. Say to someone you need the Holy Spirit. Tu ne parles pas bien. You don't speak well. Tu ne parles pas très bien. You don't speak very well. Elle a dit bien. She doesn't say anything.
Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui faut le Saint-Esprit. C'est tout simplement le nom du Saint-Esprit. Oh, on ne s'arrête pas ce stade d'avoir le Saint-Esprit. But we cannot stop. Il y a simply having the Holy Spirit. Il y a une autre dimension. We have another dimension. It is to be filled with the Holy Spirit. To be filled with the Holy Spirit. That's what we are speaking about. Hallelujah. Amen. One day Jesus said to his disciples, receive the Holy Spirit. And then they received 40 days. Exchanging with them. Stay here. Till you have the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. What does it mean? When we are filled with the Holy Spirit, we have the power of Jesus. Do you hear me well? On a le Saint-Esprit à la we have the Holy Spirit. Saint-Esprit en nous. The Holy Spirit in us. Quelqu'un a le Saint-Esprit. When someone has the Holy Spirit, les choses changent. Everything changes. Si vous voyez une personne convertie, if you are a converted people, qu'elle vient de donner sa vie à Jésus. And then she just comes to give her life to Jesus. N'a pas changé. If her behavior doesn't change, n'a pas changé à la maison. Elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus. She no more elle n'est pas convertie. Oh, la conversion, c'est changer de but conversion is to change for God. On dit Amen. We say Amen. On dit Amen. We say Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Then we say Amen. Si ton comportement ne change pas. If your behavior doesn't change. Il faut que ton entourage témoigne. People around you must be your witness. Pas témoigner, ma femme est your husband must be your witness. Ma femme est désarmée. Huh? My wife is disarmed. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme est désarmée. What happened? Elle m'appelle Bibi. They used to call me Daddy. Viens couper tes ongles. Come so that I can take care of you. Viens faire des pédicures, des manicures. Ma femme est désarmée. My wife is disarmed. Ah, mon mari ne sort plus. Hein? Il n'a pas de réunion. My husband, no more. Doesn't know more power. Il n'a plus de mission. No mission. No more mission. On est missionnaire. Il est toujours mission, like missionnaire. Missionary. Il est possédé l'esprit de mission. Possédé grâce. Il ment. With the spirit of missions. Comme son papa Satan. A big liar. Et quand on est possédé, on ment. On est possédé comme Satan. When we are possessed, we are big liars. Ment seulement. Lying. La pauvre femme est là. Elle dit, mais elle fait quoi? Si elle dit, il ment, elle va me frapper. If I say he's a liar, he's going to be. Comment tu sais qu'il ment? And you know yourself that he is lying. Quand quelqu'un converti, monsieur, avait l'habitude de tromper sa femme, la femme constate que quelque chose s'est passé dans la vie de monsieur. Ça, la conversion, c'est visible. Conversion est palpable. C'est-à-dire ton comportement change. Your behavior changes. Ton entourage découvre une autre personne. People around you discover a new person. Quelque chose s'est passé dans la vie d'une personne. Yes, and then people see that. Not cette personne. Something happened to my témoin qu'il a changé. And people can alors ce qui passe changed. C'est que tu n'es pas converti. But if you don't have it, c'est que le Saint-Esprit ne t'habite pas. So the Holy Spirit does not live in you. Amen. Amen. Si tu continues de mentir à ta femme, if you keep on lying to your wife, tu n'es pas converti. Tu n'as jamais été converti. You never been converted. La femme n'est pas faite pour qu'on joue avec elle. The woman is not ça, the one we are going to play ça, with. Dit le jour. The day vous prenez une femme, vous dites c'est ma femme, et puis tu la maries, et tu you marry your wife, tu la trompes, and live with her, tu t'es livré au démon. Amen. And do bad things. La chose que it means that you give your life c'est le mariage. What is real is marriage, wedding. Il faut délivrer des reins avant de rentrer dans le mariage. Les reins. You must deliver your before entering the wedding. Amen. Amen. Quand on envoie une femme à la maison, when you look at the wife, se balader, it means that we don't want to wander anymore. Tu te baladais comme les chiens. You used to wander. Tu cours ici. Tu vas à Grignard. Tu vas à Conakry. Everywhere. Au plateau. Tu quand tu fais dans les villages. Tu l'as envoyé, c'est parce que tu cherchais, tu as trouvé. Amen. Amen. Tu ne dois plus bouger. Or, quand tu bouges, c'est les démons que tu vas chercher. Je vous dis la vérité.
Une femme qui n'est pas ta femme, que tu as des rapports sexuels avec elle. Si il y avait une femme qui l'animait, when you have sexual intercourse with her, you are destroyed. Because she is the devil. Si elle est sorcière, excusez-moi. She is witch. Excusez-moi. Permettez-moi de dire ça. Allow me to say. Le sperme que vous voyez, c'est blanc. Excusez-moi, mais c'est du sang. Your blood in her. C'est cette partie énergétique qui intéresse les sorciers. And this part interests the. On les appelle mangeurs d'âme. The sorcerers. What I'm saying, the truth eater, the soul is in the body. C'est ce qu'il dit aux gens, vous partez coucher avec les prostituées, elle vous dit, prenez préservatif. Et puis elle-même, elle prend sa tige. Don't have sexual intercourse with you. C'est ce qu'il va faire avec. And leave your blood in condoms. Oh, c'est ce qu'il est. Sorcier cherche. That's what the sorcerers are looking for. Donc si tu as récupéré ta femme et que tu l'as envoyée à la maison, le jour tu la trompes. If you have found a wife, merci au diable. Never change. Amen. By taking another wife. Est-ce que ma bien ceci? Do you hear me well? C'est vice versa. Le jour tu trompes ton mari, merci au diable. Est-ce que ma bien ceci? Le mariage est consacré. The wedding is coming from God. Tout ça, c'est pas qui veut entre dans le mariage. On ne se lève pas un matin pour dire je veux me marier. C'est pas qui veut. Vivre avec une femme est différent de je me marie. Living with a wife is vivre avec une femme. Et tu fais prête le mariage. From saying. Oh, le mariage. But wedding, c'est un engagement qu'on prend. L'engagement de fidélité. It is a faithful engagement. Amen. C'est tellement sacré que le Saint-Esprit ne règle pas. The wedding comes from God. Ce n'est pas qui veut entrer dans le mariage. C'est ça que Dieu connaît. Nobody can enter in the wedding. Si toi-même, on ne te croit pas, que tu es infidèle, tu ne vas jamais permettre. If people don't see you as an unfaithful person, oh, puis c'est un sanctuaire ça. Toi, tu es fidèle, tu veux pas quelqu'un qui est sérieux. Don't work with faithful people. Ça ne va pas dans ta tête. Moi, il veut dire tu me donnes un nom, tu ne vas pas me tromper. Donc, il ne faut pas me tromper. I need a husband. Moi, il veut une femme sérieuse. A faithful husband. Sois sérieux. Or, la Bible dit qu'il y a une femme, husband. Elle a eu le bonheur. Vous savez, les femmes, je vous dis aujourd'hui, vous êtes tellement importantes. You are very important. That's why the devil came. Oh, la femme est quelque chose de très bonheur, c'est le bonheur. Une femme qui est avec toi. Well, you live with a wife. Il t'apporte pas le bonheur. Who does not bring you happiness? Il faut commencer à te méfier. Parce que tout part des fiançailles. Amen. Tout commence dans les fiançailles. Everything started when you start wound her. Amen. Amen. Tout commence dans les fiançailles. When you start. Si rien ne va dans les fiançailles, if everything does not go in the correct way, ça dit que tu as rencontré la dame. C'est la période où vous étudiez. C'est cette période là qu'on appelle les fiançailles. This period is what we call. Alléluia. Amen. Et quand ça ne va pas, faut pas aller loin. Séparez-vous. The wedding period. Parce que si ça ne va pas dans les fiançailles, but ça if this period is not correct, you don't have to continue. Ça n'ira pas dans le mariage. Because, oh, quand on s'est marié, the situation will be clear. C'est un homme be clear. If on ne se marie pas, vous dites non. We don't get married to say no. Donc, celui qui vient, prenez période d'études. You have to take voir si ça va aller. C'est ce qu'on appelle fiançailles. C'est une période où on se marie. Each other. Il n'est pas dit, excusez-moi, d'aller embrasser la vie, puis la famille, non. Quand on étudie là, c'est pas ça. I don't say you to kiss. Donc, ladies, ils finissent avec étude, ils font tout et toi. But I want you to know more each other. C'est pas étude comme ça je veux. Il est fait médecin. Amen. Pour étudier son comportement. To learn what your husband likes and what he doesn't like. Les gens quand ils mais le prophète a dit étudier donc c'est rien étudier tout non. No. Mais si tu te plais, là-bas la faut laisser ça d'abord. Vous savez que est-ce que ça veut que sur quelqu'un qui découvre une partie intime, vous n'êtes plus sacré. When someone discovers your intimate part of your body,
La partie sacrée, c'est la partie intime. Donc, the part si vous démissionniez, God, le monsieur n'aura plus peur de vous. Intimate part. Or, cette partie-là doit être sacrée. Dis dans ce que tu constates que le monsieur prend un engagement. This part must be important for you. Oh, si t'as démystifié, c'est fini. And as a secret, il va te prendre comme ça, frère. You must not give the opportunity for him to discover your intimate parts before wedding. Ça ferait dimanche à chaque jour. On ne donne pas. You don't have to give it to him every day. Amen. Say amen. Je t'aime. I love you. Ça nécessite le sacrifice. It needs sacrifice. C'est pas une partie du corps selon qu'on aime. When you love, it's not a part of the body. Et l'amour est beaucoup patient. Love is patient. Alors, s'il n'est pas patient, if it is not patient, ce sont appelés les attirances sexuelles. Il est attiré par ton sexe. Sexual interest. Or, s'il découvre ça, sexual interest. Puisque c'est ce qu'il cherche. And if it discovers, il est découragé. Il n'ira plus loin avec the sexual interest, the man will be discouraged. Alors, celui qui vient et s'assied, c'est ce qui l'intéresse d'abord. And if the man comes and is interested with no. The ultimate part, amen. You say no. Amen. You say amen. Moi, j'ai des petites choses. I like saying. Parce que ça dégoûte. Too much things. La vérité. Les rapports sexuels. Sexual intercourse. Tu fais ça une semaine, ça va plus rien. If you used to do it a week. C'est la vérité, il n'y a pas de petit. You'll no more find something interesting in it. Amen. Amen. Tu peux me rester avec une fois, n'est pas fait les rapports avec. You can stay with a woman and even you cannot have sexual intercourse with her. We don't move. We don't marry a woman because of sexual intercourse. Je l'ai laissé à cause de ça. Pourquoi? I'm going to leave her because of sexual intercourse. We don't marry to get child. Alors puisque tu l'aimes, tu es obligé d'avoir le bonus que l'enfant. And then, because you love her, God can give you the chance to have children. C'est le bonus. C'est le produit. Children represent bonus. C'est le produit de l'amour. It is the product of love. Non, ça fait un an. Ça fait 2 ans. Et puis quoi? Tu l'aimes? Don't use to cry about the situation. Amen. If you love her, c'est ça qui est plus important. Please take into account your love. Alleluia. It's the most important. Amen. Amen. Et Dieu verra, Dieu donnera le bonus. God will give us bonus. Quelque part, when love exists somewhere, se manifester, God is going to demonstrate. Parce qu'il est amour. Because it's love. L'amour c'est God is love. L'enfant est bonus. The kid is bonus. On dit amen. We say amen. Amen. You heard it. Pas pourquoi le Saint-Esprit m'envoie là, mais parce que c'est important. It's not because the Holy Spirit told me this way, but this is very important. Oh, elle est belle. No, elle she's belle. Beautiful. Si je la marie, if I marry her, les gens me disent, je ne peux pas. People, you say I have a good wife. Est-ce qu'elle est charmée? Is she disarmed? Oh, elle est bouchonnée comme les poudriers. Vous connaissez les poudriers russes? There are some bad mouths. Toutes les armes au monde. With very big arms. I'm MB-24. Si toi. To destroy you. Vous savez que la force de la femme, c'est bouche. The strength. Elle est belle. Of the woman is her mouth. Non, mais on appelle ça une design. Mais est-ce que bouche est désarmée? Is her mouth disarmed? C'est le jour ta bouche sera désarmée. The day your mouth will be disarmed. Nous sommes l'homme de ta vie. God will give you the man of your life. We cannot marry to practice. Pour transformer un foyer en dojo. Où le maître karaté est là, où l'élève est là, où fait mouvement. To practice karaté. On prend saut, on prend bois, on prend. And do whatever you want. Même à table, on se casse le nez. Non. No. Amen. Amen. Le mariage. The wedding. C'est l'amour. It's love. Amen. Amen. Alors dans les fiançailles, étudiez-vous. When wooing yourself. Il y a des gens qui aimeraient que ça soit. When wooing each other. Si ne voyez pas le véritable amour. If you don't see the real love. L'homme ne fournit pas assez de sacrifices dans les fiançailles. Ou vice versa.
In the womb period, the man, if the man or the wife does not give too many efforts, amen. Si tu as une femme, if you have a wife, elle ne fait pas encore. Elle fait pas encore. Even if she gives birth to babies or not. Problème, c'est quoi? What's your matter? Moi, j'aime ma femme. I love my wife. Je suis prêt à la défendre. I'm ready to defend her. À supporter. Or support. Même la situation. Even the situation. Il faut supporter la situation. You have to support the situation. Si tu maries une femme. When you marry a wife, fait pas des enfants, and say that she does not give birth to babies, tu veux faire d'elle la faisée d'enfants, de tes enfants, you pas want ta femme. To make her a woman just only for children. Est-ce que m'a bien saisi? Amen. Do you hear me? Et la femme est stressée dans le foyer. And then she has troubles in your parce heart. Elle voit l'absence de l'amour. Because she has lack of elle love. Elle pense que monsieur cherche. Depuis là, tu fais pas. And then we have the impression that the man is looking for jamais, a kid. Tu n'as jamais aimé. Sinon, il this means that visage. You never love. Amen. Amen. On dit amen. We say amen. Alléluia. Amen. Ça disait rien à Abraham. Quand on disait this was not nothing. This was nothing for Abraham. Et de Sarah ne disait rien à Abraham. Amen. Au contraire, c'est Sarah qui a poussé Abraham. Ils sont restés là dans la dans vieillesse. Ça n'a rien à voir. C'est la femme qui va conduire l'homme. For long time, comme il aimait sa femme, and il est obligé d'accepter. He was obliged to accept. Quand vous regardez la situation de Sarah et looking at the situation of Sarah and Abraham, c'est l'amour qu'il avait pour sa femme qui l'a poussé vers la notice that is the love she had for her life. Sinon, sa femme. She loved. Alors quand on aime, on devait appeler his wife. And become blind. Même dans la vie, il était vieux, il était rien. Even she was, he was old, Abraham, he loved his wife. Vous savez, c'est Sarah qui avait le problème. Sarah had the problem. Sinon, Abraham n'avait pas le problème avec. Abraham didn't have problem with Sarah. La stérilité de Sarah lui disait rien. And then the fact of giving birth to Sarah was a problem. Amen. Amen. Il disait rien. And this was sinon, nothing for Abraham. Laisse-moi aller faire un enfant dehors. And she could say to his wife mais non, to give her the opportunity to have a baby out of the home. Elle est ma femme. But he used to say, she is my wife. I'm fed up. Even if I die this way, I love her. L'Afrique ici, on aime écouter les parents. In Africa here, I like listening to have a parent, our friends. Ta femme, ça fait un an que t'es ensemble. You are living with a wife for 1 year. Y a quoi? What's your problem? Depuis. Amen. Amen. Ton problème est où? What's your problem? C'est ça le problème de société. What is the problem of people? On aime s'intéresser à la vie des gens. To be interested in people's life. Et la manière que ça dit non. C'est ton problème, c'est pas ton problème pour ton problème. La femme. Même he didn't eat correct food. C'est Sarah qui avait le problème. Coming après, back to Sarah, she had the problem. Quand vous regardez un peu l'histoire, il aimait tellement que Sarah. When you look at the story of Abraham and Sarah, plaisir à sa femme. He would like to give pleasure to his wife. Ça crée un problème aujourd'hui entre les Arabes et les Juifs. And even between Arab people, Arab la people, peu, quand and la Jews. Dit, c'est très bien l'histoire. Listen to me very carefully. Quand la femme a dit. When the man says, you have to chase away the wife, your wife. Il a chassé. Et le premier qui venait d'avoir d'ailleurs. And the first kid that he just got to have. Il a l'enfant et sa mère. Chase the wife. Ça veut dire, chase away the kid. Il s'en fichait même de l'enfant. And his wife. Tellement qu'il aimait sa femme. He was fed up. Because he lied, he loved. Il aimait tellement sa femme. Wife. Too much. C'est pas lui qui cherchait l'enfant. He was not looking for c'est la femme qui cherchait the kid. The woman was looking for the kid. Amen. You must have the spirit of Abraham. Il avait foi en sa femme. He had faith in his wife. Oh, elle fait pas, elle fait des enfants, elle fait pas, je me fiche de tout ça. Tout qu'on fait, je l'aime. He gave birth to, she gave birth to be or not, I'm fed up. That is the sacrifice. Quand tu aimes un homme, when you love a man, so, vous êtes avec une femme, when you live with a woman, ayez peur d'elle. Elle ne doit pas vous exposer. She must not si tu say everything une femme, on you. Faut jamais l'exposer.
Don't expose your wife. La famille part, tu es le premier à défendre. When the member of your family are speaking, you have to be the first one to defend your wife. When people speak outside about your husband, you must be the first one to defend him. You must believe in him. Amen. Amen. Abraham avait foi à sa femme. Abraham believed in his wife. Elle dit, mais tu sais, j'ai une question de jalousie dans cette maison. But we have the question, a matter of jealousy in this house. Ou bien, la chose qu'on ne partage pas, c'est le monsieur. C'est les choses qu'on ne partage pas dans la vie. Elle voit que le monsieur, there are too many things we cannot say. Elle a prêché lui chaque jour, le vieux. Elle dit, si je ne fais pas attention, elle va prendre ma place. If I don't do it, you're going to take my place. Monsieur, il est chez la fraîchini. Et puis, il y a un bébé là-bas. And then, living with the young baby. Elle est dans son coin du cœur. And she stays. Il sait, il faut chasser. You have to chase away. Agar, et puis l'enfant. Sans réfléchir. Écoutez-moi. Your wife has now and the kids. On suit ici. Yes. On suit ici. Il n'a même pas réfléchi. He didn't think enough. Il fait parler avec sa femme. Lui, tu es malade. He discussed with her wife. He didn't do it. Pour avoir la paix avec ma femme, que j'aime. To be in peace with my wife. Madame, prends l'enfant. Take. Et va avec lui. Your house, your kids. Vous comprenez? And go with him. Amen. 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 On est marié pas. We don't marry for children. C'est l'amour. It's love. Et ça? Vous devez découvrir ça dans les fiançailles. You have to discover it. Est-ce que monsieur m'aime vraiment? Est-ce que madame m'aime vraiment? Does my wife really love me? Souvent on est attiré parce qu'elle marche bien, elle est belle, elle fait des jolis enfants, quand elle parle, elle a des brèches. Yes, she's very beautiful. Ça joue la voix. C'est joli. J'ai attiré par quelque chose. Yes, you're interested with something. Amen. But love is different. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. May God help us. Quand quelqu'un est converti, but when someone is converted, les choses doivent changer. Things must change. Ton mari s'il est converti, your husband if he is converted. Il doit arrêter la mission. He must stop missions. Il doit être constamment à la maison. He must be frequently at home. Vous savez, il y a une différence entre le ministère et la maison. We have there is a difference between the ministry and the house. Je commence à m'organiser parce que je sais que cette année je vais me marier. I started organizing myself this year because I know that I'm going to get married. Donc, je fais la part des choses. Ma maison, so I'm specifying things. Je suis en train de m'organiser, avoir assez de temps. I'm organizing myself to have enough time. J'ai du temps pour ma maison et pour ma femme. So that if my wife comes, le jour n'aurait plus I can have time for my house et time maison, for the church. Satan va vous détruire. If you don't have time for your house, et c'est une ruse, the devil can destroy you. Les gens occupent les gens dans le ministère. Encore le premier ministère, c'est ta maison. Your first ministry must be your house. Amen. Amen. Tu vois pas qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, mais la maison c'est l'œuvre de Dieu. The house is the action of God. Or, si tu n'es pas en paix à la maison, mais c'est fini. If you don't live in peace at all, tu dois être en paix. Vous devez avoir du temps pour votre mari. You must have time for your husband. Amen. Amen. C'est ça qui ne donne pas toute la responsabilité à la servante. Don't give all the responsibility. Si c'est elle qui sert à manger au monsieur, if you choose to faire des petits culs. To do everything. Ses yeux vont changer. Your eyes are going to change. Là-bas, il va commencer à la toucher. And now, your husband is going to touch her. Attends, ne réfléchis pas. Please, God, don't touch me. Bon, on va la serviette. Ça a commencé. Please, bring me the bath towel. Et toi, quand il va dire, mais tu vois pas que je suis fatigué? Je regarde la télé. Your wife speak and then you used to say. Je n'ai pas besoin de faire. Il va appeler la petite, elle est prête, non? And then after, il va tout faire. Il va tout faire là-bas. A young servant and even sleep where she sleeps. Vous devez avoir du temps pour votre mari. You must have time. Une femme doit savoir parler à son mari. And you must know how to speak to her. Sarah. What was interesting with Sarah? She used to call Abraham. Quand vous écoutez Abraham, Sarah parlait.
When you hear Sarah speaking, she had good qualities in her wrist and her to love her. Because she respected her husband. My master. Aujourd'hui, les femmes sont, il y a plein qui sont armées. Today, many people, many wives are very armed. Viens lever, mais là c'est moi qui t'ai dit de te promener. Tu n'as pas de, tu n'as pas de bras. C'est moi qui viens lever tes chaussures. Viens lui là. Tu vas, c'est moi qui fais ça. Je suis ta servante ou bien? Am I your servant? Tu la servante, monsieur. Yes, you are his servant. You have to serve him. Amen. You say amen. Ça veut dire comment est venu ta nevée, toi Gaël. C'est ton premier bébé dans la maison. Amen. Your husband is your first kid in your house. Oh, l'homme aime l'endroit où on le prend bien. And then we know that men like the place where he is loved. Si vous voyez un vieux type, Rivera, il va à mon sucre dormir dans le studio. If you see someone, an old person, living in the studio, and go back in mon sucre to sleep, he knows what is happening there. Tu es étonné. Tu es étonné. And you are going to say, hey, the boss. Il vient du bébé, il fait des petits culs. And if you take care of him, amen. Amen. Et c'est ça. Alors quand tu te convertis, when you are converted, ton mari, your husband, doit constater que tu as changé. Must notice that you have changed. Ton langage change. Your language must change. L'homme est l'autorité de la femme. The man is the power of the woman. Vous devez reconnaître ça. You have to recognize it. Oh, la Bible dit que toute personne. The Bible says, every person must be submitted to authority. And then the duty of women has been to submit. If your husband calls you, give me the bath towel. You must be the first one to run. You must be the mistress of the house. Du coup, vont servir le monsieur. That's why today many people are interested in this. Et de l'origine jusqu'à le chien. Because we are not well treated. Il y a boni dans service. Alléluia. Amen. Ton mari doit constater que tu as le Saint-Esprit. Your husband must notice that you have the Holy Spirit. Et que tu as changé. And that you have changed. Frère, tout brother, dépend de nous. Everything depends on us. Nous a dit, when the Holy Spirit says to us, qui se fait. We must have a transformation. Amen. Amen. On dit on est le Saint-Esprit. We say we are the Holy Spirit. Et avoir la puissance de Dieu, but having the power of God, c'est une chose différente. It's a different thing. On a le Saint-Esprit, la puissance. We have the power. Lorsqu'il donne dans la capacité, when God gives us the capacity to demonstrate His power, de démontrer la puissance, to demonstrate His power. Alléluia. Amen. La dernière fois nous avons lu ici. Last time we read, Jésus est parti. Jesus went. Il est resté ici. And he says, stay here. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. You are going to have the Holy Spirit. Et vous serez mes témoins. And you'll be my witnesses. Vous serez mes témoins ici à Jérusalem. You'll be my witnesses here vous in Jerusalem. Mes témoins dans la Judée, dans la you'll Samarie. Be my witnesses jusqu'aux in extrémités Judée, de la terre. Samarie, everywhere. Pour appris ça. Ils sont restés pendant. They stayed for a long time. En train de prier. For 10 days praying God. Et je dis toujours aux gens. And I say, used to say to people, if your ministry had problems, cherche la présence de Dieu. You have to look for the presence of God. Si tu veux avoir l'onction, if you want to have anointing, vous menez bien ton ministère, to create, to have perfect ministry, sois un homme de prière. You have to be a man of prayer. C'est pas une question de venir ressembler à Grasso. It's not a matter of what I want to look like. La présence de Dieu. When you pray in the presence of God, it can bring you anointing. Ils sont restés dans la présence de Dieu. They stayed in the presence of God pendant 10 jours. For 10 days. Et pendant les 10 jours, and between, ils étaient en jeûne et in these 10 days, et le Saint-Esprit descendu sur eux. They were fasting, and amen. The Holy Spirit quand le Saint-Esprit came descendu sur eux,
When this Holy Spirit came on them, ils ont commencé à manifester la puissance de Dieu. They started demonstrating the power of God. There was a sign. Ils ont commencé à parler en langue. They started speaking in other languages. Elle est parfaite. Soulevez-la, amenez-la quelque part. Pick up her face. Elle est en train de jouer son portable. Elle faisait quoi tout à l'heure? Est-ce qu'elle suivait le culte? Elle ne suivait pas le culte. Elle était très discrète. Moi aussi. Ne paniquez pas. Moi je suis service. Oui, ça va aller. Everything will be alright. Ne vous inquiétez pas, Alain. Don't worry. Tiens, quelqu'un de Saint-Esprit en toi. See, there's not only the Holy Spirit controls. Les démons sont en train de se manifester. The devils in her body. Allez, corrigez le démon, donnez lui deux paroles. Non, laissez le pasteur Philippe là-bas. Vous les filles rentrez. Laissez le pasteur Philippe et les autres. Amen. Amen. Alléluia. Or, quand on est rempli du Saint-Esprit. When we are filled with the Holy Spirit. J'ai le Saint-Esprit, c'est-à-dire le verre. Il y a de l'eau dans le verre, mais le verre n'est pas rempli. We have water in the glass. Et c'est quand même the glass is not filled. Le verre commence à se remplir. When we have water in it, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. J'avais le Saint-Esprit. Or, quand on est rempli du Saint-Esprit. When we are filled with the Holy Spirit. Quand on touche même un malade. When we touch even a sick person. C'est ce qu'on appelle le revêtement de la puissance de Dieu. That is the power of God. Alléluia. Jésus a vécu ça. Jesus lived it. Amen. Amen. Il allait vers Jean le Baptiste. He went. Il a reçu le Saint-Esprit. And when he said he received the Holy Spirit, de l'eau, the water went out from. Il allait tout droit dans le désert. And went straight to the desert. Il a prié pendant 40 jours. Praying for 40 days. Il a reçu